l'European Fashion Event concrètement? Alors, donc c'était tout d'abord une rencontre entre jeunes de 18 à 30 ans. Une rencontre possible grâce au programme européen Jeunesse en Action, avec qui on a eu une subvention. Donc c'est ça qui nous a permis vraiment de se rencontrer tous ensemble. Je pense que cette opération, ce n'est pas seulement un défilé, c'est vraiment la rencontre entre ces 30 jeunes. Et voilà, après, on le montre au public par ce défilé, par le travail des créateurs qui ont passé beaucoup de mois aussi à travailler sur leur création. Et du coup, on concrétise vraiment ça ce soir, en fait. Vous êtes donc aux trois créatrices belges pour ce défilé. Alors, quelles sont vos impressions à quelques minutes du défilé qui va bientôt commencer ? Moi je suis assez sereine parce qu'on a été bien préparés, bien entraînés, on a eu des bonnes répétitions. Puis voilà, de toute manière c'est une très bonne expérience. On a vu différentes façons de penser, différentes cultures de d'autres pays. Et c'est plus un partage qu'autre chose, c'est moins une compétition. L'ambiance est très bonne, le défilé est très bien organisé, c'est très intéressant de rencontrer différentes cultures. Donc pas trop stressée, assez confiante. Je vois pas pourquoi stresser alors que quand on regarde, ce sont quand même des jeunes qui ont organisé ça. Et ouais, voilà, exact. Et du coup, on se sent pas vraiment oppressé parce qu'elles ont plus ou moins le même âge et du coup, voilà. Et elles savent directement ce qu'il nous faut, les mannequins qu'il nous faut. Franchement, c'est bien. Part-time in Mallow, it's in County Cork. It's Mallow College of Design and Tailoring. For my inspiration for this outfit, I used a hooded cloak with a big hood. This is what the women used to wear in Ireland in the 19th century. All women in Ireland wore this. And I just made it more modern. I used linen which is traditional to Ireland. And traditionally the cloak was a big hood and it was down to the ankles. And they used to have three rows of like stitching around the edge. So to make it modern, I added the studs. And this is how they used to do the original hood. Je m'appelle Antoine, j'ai 21 ans et je suis à la fac de Ségalin en seconde année de LEA. Et je suis venu donc ici par pur hasard, puisque j'ai vu une affiche de casting dans l'ensemble de ma fac. J'y suis allé voilà, sans trop d'expérience, sans jamais savoir quoi faire. Finalement j'ai été pris, donc j'étais très ravi. Et du coup je suis arrivé ici et ce qui est bien c'est que ça a été très fructifiant puisque j'ai pris contact avec différents mannequins de Brest et des photographes, ce qui va me permettre de monter mon book et de pouvoir aussi avoir une petite carrière de mannequinat. Vous avez eu des bons contacts avec votre styliste, une femme ou un homme ? C'était une femme, oui, on a bien rigolé, elle m'a mis bien de bonne humeur, etc. On a eu une bonne entente tous les deux tout au long de la journée, donc voilà, ça s'est très bien passé. Vous étiez content de votre tenue ou pas ? Ma tenue grattait beaucoup, mais j'étais très content, même si elle n'a pas eu les faveurs du jury, mais j'étais assez content de ma tenue quand même. Puis j'ai surtout été très bluffé par les autres tenues, surtout celles qui ont gagné d'ailleurs, celle de l'Irlande, que j'ai beaucoup appréciée. Franchement, c'est un beau pas dans la mode que je connaissais pas du tout, et j'étais très content. Bounce for
quel est votre univers, vos inspirations en termes général pour créer, et ensuite particulièrement pour avoir créé vos deux tenues? Donc pour ce concours, je me suis inspirée du cinéma belge. Donc comme vous pouvez le voir, ici j'ai deux chapeaux. Donc j'aime beaucoup les chapeaux, je me suis inspirée surtout du plastique, des bandes magnétiques, le côté moderne en fait du cinéma des années 40, ce côté assez glamour, féminin, surtout au niveau des matières. Vous avez dû vraiment faire un véritable travail de fourniture en fait pour réaliser vos tenues. Oui, il y a beaucoup de recherches à faire, surtout au niveau des matières. Ce n'est pas facile comme ça de trouver les matières pour pouvoir créer ces vêtements. Il faut quand même être sûr de vouloir ces matières parce qu'il faut quand même les exploiter. Il faut vraiment penser à tout. Combien de temps vous avez mis pour réaliser ces tenues? Donc le temps, j'ai mis 2 mois. Les autres participants du concours, qu'avez vous pensé de leur création? Y a-t-il eu beaucoup d'inspiration, de création, d'imagination? Au niveau des créations des autres créateurs, je trouvais cela très intéressant parce qu'on remarque vraiment une riche culture au niveau des vêtements, même au niveau des découpes. C'est vraiment très, très riche. It was very interesting. It was really good to see all the different traditions and how traditional things have influenced all the designers here. So it was very good. Nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment offrir la chance à tous les jeunes qui étaient heureux de participer à cet événement. Bah, on voulait vraiment leur donner l'opportunité de montrer leur talent devant un public et devant aussi un jury de professionnels de la mode. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des échanges entre jeunes et c'est vrai que bon, ben, finalement, on se rend compte que la langue, c'est pas du tout une barrière, au contraire. Et voilà, c'est ça qui est vraiment intéressant. Well, meaning to life. I thank you all for showing up to me.